replay de la semaine sur internet, c'est tout de suite dans le Social Club by Orange et on est chaud! Et on est chaud d'abord pour la nouvelle fonctionnalité d'Instagram, le Super Zoom, qui permet de transformer n'importe quel utilisateur en acteur dramatique dans vos prochaines stories. Si vous êtes un peu mégalo, l'artiste Matthew Moore a une autre solution. Des selfies géants, en 3 dimensions, sur une sculpture interactive. Flippant, non? Peut-être pas autant que l'invention de Sophia, le premier humanoïde à devenir citoyen officiel d'un État. Ça se passe en Arabie Saoudite, où le robot a même fait un discours officiel. Est-ce l'heure de Skynet et du Terminator? Amazon lance Amazon Key, un système de livraison à domicile, quand vous n'êtes pas là. Marchera? Marchera pas? À voir. Et bien sûr, l'info de la semaine, c'est l'avenir de la banque qui frappe à la porte grâce à Orange Bank. C'est le premier service où toutes les opérations sont possibles à 100% avec un smartphone. Si vous êtes fan de la série Black Mirror, et pourquoi vous ne le seriez pas, vous avez peut-être vu cet épisode un peu flippant dans lequel tout le monde devait se noter. Bon, eh bien maintenant, ça existe pour de vrai et ça s'appelle Credo. L'appli développée par la startup Credo 360 propose rien de moins que de noter anonymement la qualité de vos interactions avec votre entourage de 0 à 360. Face à la polémique provoquée sur internet, le créateur vient d'expliquer que l'intérêt de cette appli sera de donner la parole à des personnes bien placées pour savoir si vous êtes fiable ou pas. Mouais. Que se passera-t-il en cas d'avis truqué? Et comment réagirez-vous si vous êtes mal noté? On vous laisse méditer là-dessus. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à évaluer notre émission.